Seulement que pour votre frangin vous donne des nouvelles de votre maison. Le Tourski, je vous connais tous. Ça n'existe pas. J'ai que des amis dans mon théâtre. Quand je dis dans mon théâtre, c'est notre théâtre parce qu'il n'y a pas de confusion. Je ne suis propriétaire de rien. Mais quand même, il y a une propriété intellectuelle qu'il ne faut pas nier. La compagnie Richard Martin Théâtre Tourski a inventé, à partir d'un hangar misérable et désaffecté, déserté par une troupe de saltimbanques fervents et forts, mais négligés, qui ont dû fuir parce que les politiques n'ont pas supporté cette poignée de poètes au service de tous. Et ça recommence. Il a fallu tout reconstruire. Tout était cassé ici. Alors, ironie du sort, j'ai mis, pour qu'on puisse travailler, ceux qui sont là, qui se souviennent, des 5000 plaques d'œufs que j'ai mises, une à une, avec mon pote Sicurisse sur les murs, et Michel Cuvillère, oui, il est parti dans les chaos. Ceux qui se souviennent de ça savent combien les poètes ont habité cette maison et ont imprimé leur propriété. Alors, si jamais demain on me chasse d'une façon ou d'une autre, mais je pense que ce ne sera pas possible, si jamais ça existait, on partirait avec Julos Bocard, avec Paco Ibanez, avec Bedos DeVos, Barbara, avec Félix Leclerc, avec tous ceux des quatre coins du monde qui ont fait vivre cette maison. On déserterait à notre tour et ce serait à nouveau dans ce quartier le plus misérable qu'on a voulu mettre sous la lumière. Ce serait le désert. Elle me colle à la peau dans tous ses états et où que j'aille. Quand elle me prend par la taille, je tombe tous mes drapeaux. Wow, 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 wow. Moi, ce que je voudrais juste te dire, c'est que depuis toujours, moi je suis marseillaise, je soutiens ce théâtre, ne serait-ce qu'en venant de temps en temps au concert, et même quand je ne peux pas y venir, quand on ne peut pas y être parce qu'on est en tournée, moralement et énergétiquement, on sait que ce lieu existe, et c'est très fort. Alors les politiques, j'en ai un peu rien à braire, parce que franchement, c'est pas eux qui vont décider, c'est le peuple, c'est nous. Donc voilà, vive la culture. Pas le rince-doigt qui fait les mains propres, ni le baise-main qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, c'est la poésie qui illustre le mot. L'Alex
Alexandrin est un moule à pied, traînant dans la rue des semelles à jouer de musique. La poésie contemporaine qui fait de la prose en le sachant rendit le spectre de l'Alexandrin comme une forme pressurée et intouchable. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir s'ils ont leur compte de pied ne sont pas des poètes. Ce sont des tachygraphes. Le vers est musique. Le vers sans musique est littérature. Le poème en prose est de la prose poétique. Le vers libre n'est plus le vers, puisque le propre du vers est de n'être point libre. La syntaxe du vers est une syntaxe harmonique, toute licence comprise. Il n'y a pas de faute d'harmonie en art. Il n'y a que des fautes de goût. On est 10 ans quand on est nombreux. Toi, Andarjata, Andouayinga, si tu ne sais pas où tu vas, sache quand même d'où tu viens. Dis-toi, la vie, elle est telle qu'elle est. Et on ne peut être dans la vie quand on vit. Et pour vivre, il faut d'abord exister. Et quand on existe, il faut qu'on résiste. Et dans chaque chose, il y a un signe, il y a un code, il y a un langage qu'il faut savoir lire. Dans chaque chose, il y a un sens. Du sens, on extrait l'essence. Et de l'essence, on extrait la quintessence. La quintessence d'une chose, c'est l'essentiel même de la chose. Et l'essentiel, c'est l'essence qui mène au ciel. Au départ, il n'y avait rien. Dieu s'est créé. Mais il s'embêtait. Oui, il n'avait pas de père, ni de mère, ni de sœur, ni de frère, il n'y avait rien. Et il a créé la samsa, cet instrument. Il a commencé à en jouer. Et à chaque note, il créait un être de nature minérale, végétale et animale. Ainsi, il a rempli le ciel et la terre. Il est passé à l'harmonie, c'est-à-dire la correspondance entre toutes ces créatures. Tout allait bien, sans problème. À un moment, quand il en jouait, quand il créait, sa samsa et lui constituaient deux corps dans une même âme. Emporté dans l'harmonie de sa créature, il fit une fausse note. Et de cette fausse note, le nouvel être qu'il vient de créer, c'est l'homme. C'est pourquoi partout où l'homme passe, tout trépasse. Que nous nous retrouvions ici dans cette salle pour fêter la paix et les solutions qu'on a trouvées grâce à vous, grâce à la ville de Marseille, grâce à eux. Parce que la vérité n'est nulle part entière. Il y a ta vérité, il y a ma vérité. Et il y a sa vérité. Il faudrait que chacun de nous abandonne sa vérité pour venir vers cette vérité qui est au milieu. Ainsi, nous serons tous les adeptes de la vraie vérité. Bravo. C'est une vérité que nous avons construite.
et tout le monde, nous la défendrons. Merci. Merci.